Member from Ottawa-Orleans. Monsieur le Président, c'est pour moi un grand honneur d'annoncer aux membres de l'Assemblée que Saint-Joseph d'Orléans, fondé en 1860, célébrera son 150e anniversaire en 2010. Orléans fut un des premiers villages canadiens-français à l'est de Bytown. Pendant ces 150 ans, Orléans a su conserver son caractère francophone et la paroisse Saint-Joseph est la plus grande paroisse du diocèse d'Ottawa. Bien que la première habitation fut construite sur les rives de la rivière des Outaouais, le village s'est développé le long du chemin de Montréal, plus précisément le long de la première concession. Les célébrations s'étaleront tout au long de l'année 2010 et incluront des activités telles que l'exposition d'art, le lancement d'un livre, une exposition d'objets patrimoniaux, du théâtre au nouveau centre des arts Shankman, une croisée des canaux à l'île Petrie, la confection d'une DVD par les élèves de l'école secondaire Garneau, et j'en passe. Monsieur le Président, je suis fier d'être le député d'une si belle communauté. J'accorde tout mon appui au comité d'organisateurs et je lui souhaite de plus éclatants des succès. Peter Schoenbach, président, Mme Colette Côté, vice-président, et Mme Denise Lemire sont déjà des projets. Merci, Monsieur le Président.